Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib, dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendre radio télévision d'espoir? Radio vision d'espoir. Oh. Moi t'attendre une annonce comme ça, oui. Mais qui ça se a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Chronique, chapitre 13. L'arche déposée par David dans la maison d'Obed-Edom. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirja-Jirim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Baala, à Kirja-Jirim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Achjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivé à l'air de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment.
Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom. De Gath, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Un Chronique, chapitre 14. Victoire de David sur les Philistins. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des tailleurs de pierre, et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibha, Elishua, Elphéleth, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Beeliada et Eliphéleth. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et ils se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux.
et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Apocalypse, chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu.
et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.